Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de 7 Days to Die. On était jour 25, c'est la nuit, et on était rentré bourré de matériel. Donc on va aller déposer tout ça. Voilà, je cumule ce que je peux, on va en redéposer. On va pouvoir poser des grains de café et de goldenrod. Pourquoi j'en ai encore? Ah, c'est des grains qui, ouais, ok, qu'on a récupérés. Vous savez quoi? On ira quand même les remettre, malgré tout. Et on va prendre les moteurs. Voilà, on va mettre un peu de temps à rentrer, mais c'est pas grave. On est juste à côté. Hop. Hop. On répare un tout petit peu les trucs tout cassés. Alors j'hésite toujours à allumer nos défenses, hein, finalement, l'électricité. Si on reste en intérieur et qu'on travaille, on devrait les mettre. Au moins pour avoir... un tout petit peu moins à gérer si jamais des zombies se baladent. J'ai l'impression qu'on prend de moins en moins quand on prend des taquets. Hein. Le fait qu'on augmente l'armure en permanence, que ça soit avec le niveau de nos trucs ou les platines qu'on met dessus, ça doit aider pas mal. Hein. Alors, on essaie de pas tripoter les trucs en fer forgé. Hop. La brique. Alors, il faut du béton pour l'améliorer. Ok. Ici, vous voyez, c'est pas très solide en vrai. Il faudrait peut-être améliorer ça en béton armé aussi. Alors, hop. Déjà, on dépose. Hein. Comme on fait d'habitude. Notre nuit va être très très courte. Alors, on va essayer de pas de trop niaiser. Nitrate, polymère, aloe vera. Les moteurs, on va les mettre à côté. Avec l'essence. Voilà, on en a trop des moteurs. C'est bien beau. On a énormément d'essence, énormément de moteurs. Donc évidemment, on voudrait utiliser plutôt le générateur électrique, enfin l'essence quoi. Voilà les outils que j'avais oublié de ramasser la dernière fois. Qu'est-ce qu'on pose ici? Les jetons du Dukes. Les trucs qui se vendent. Il n'y a pas grand-chose à vendre en vrai. On s'est fait pas mal de ressorts hein, quand même. Ça c'est un truc, au moins on n'en aura plus besoin, je le sais bien. De la ferraille, pareil, on arrive sur le deuxième stock de 6000. Ah, ça devrait aller, hein. Mais justement, vu qu'on commence à avoir de gros stocks... Il va nous falloir de la terre, mais on va dépenser un peu de bois pour ça. Voilà. Je sais pas combien de temps ça prend exactement de faire fondre tout ça. Ah, mais on a déjà du clay là-dedans. Bon, écoutez, on va mettre 20 minutes. Voilà, et puis pendant 20 minutes, il y aura bien... Voilà, ça nous coûte 25 de bois, c'est ridicule. Ici, la nourriture. Ben, on n'a rien à poser à part peut-être ben ça, le pain au maïs. Et ici, l'eau en bouteille, raté. Raté aussi, voilà, lave-la. Est-ce qu'on se fait une prise de sang? J'ai l'impression qu'on a soif déjà. On va se boire un café. Alors, on est assoiffé depuis, depuis toute l'après-midi, depuis que j'ai pris les vitamines en fait. Alors, je sais pas trop ce qui cause cet assoiffement parce que j'ai bu à côté. Hein. On a de l'eau trouble, on pourra la faire se chauffer. Ok. Alors, ici, il nous reste des trucs à poser. Essence, acide, non. Les phares, oui. Et là, on va déposer le reste. Un peu de bocaux. Oh, military plating. Hop. On a notre pelle. Est-ce qu'on prend notre bêche? Non, la masse, les trucs à voiture, on n'a pas besoin. La machette au cas où. La hachette, je la garde sur moi parce qu'on sait jamais. Mais c'est plutôt la pelle qu'on va utiliser. Voilà, ici, on va poser les tuyaux, le laiton, toutes les cochonneries qui traînent. On devrait être good. Ça aussi. Chili, machin. Alors des blocs de dalles, il nous reste des pics, je vais les prendre sur moi dans le doute. On risque d'en fabriquer d'autres, mais je sais pas vraiment où les mettre.
Est-ce que vous croyez qu'il faut que je continue à encercler la baraque de pique? Ce sera toujours un plus, mais est-ce que c'est vraiment si efficace que ça? Je suis pas hyper convaincu que ça nous sauve tant que ça. Hein. Alors, vous savez quoi? On va en faire 35 de plus. Ça nous en fera une quarantaine en rab. Puis on verra. Enjoliveur, tout ça. Ah non. On va aller vider la bécane. On a des mines terrestres à filtre à air. Alors elles sont probablement meilleures que ce qu'on avait. Que les mines bonbons et enfin, ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Peut-être pas de la marmite, mais la marmite elle m'avait l'air nulle en fait comme mine. Sortons par là. C'est pas dangereux du tout. Alors là, ce qui est marrant, c'est quand on s'éloigne comme ça de la maison, on est vraiment dans le noir. Hein. Alors, les graines, elles sont où? Hop. Par la bière. Goldenrod Flower. Ah, pardon, j'avais pas vu. Ça, c'est des grains de café, c'est pas des grains qui se plantent. Oui, ok, je dis des bêtises. Clair molette, plume. Les plumes, on pourrait les prendre tout de suite. On peut laisser l'essence ici. Alors, les flèches. Ok. Repassons sur les flèches normales. On est en train de les créer. La lumière est pas folle. Hein. C'est une nuit sans lune, alors. Hein. C'est bien nocturne, je vais dire. J'adorerais pouvoir enlever les deux. Ouais, on va recycler les bocaux, tant pis. Ou manger les œufs. Ou alors on est patient. Ah, allez, on va être patient. On va redéposer ça. Voilà. 23 heures. Si on arrive à minuit, il nous restera que 4 heures à tenir avant la fin de la nuit. Ça, on se l'est encore pris. Hein. Voilà, et on ira voir le clay qui a fondu. Point de vue des munitions là-dedans aussi, on va mettre les 100 munitions dedans, je crois. Parce qu'on en a 48, on a testé 2 dards. Et à un moment donné, on va le placer. Hein. 21. Le jour 28, hein, c'est la Blood Moon. Donc on a un tout petit peu le temps. Alors, ici, comment ça se passe? Clay 1244. Stone, glace, lead. Ouais, du plomb, on en a pas. Pareil, j'ai toujours pas un son très haut, donc il est possible que les zombies attaquent et que je m'en rende pas compte. Alors, on va déposer tout ça. J'adore le moment où je dépose du matériel chez nous, hein, quand même. Je sais pas pourquoi, ça me fait plaisir. Genre, on stocke, c'est vraiment la sensation de l'écureuil qui stocke des noisettes, quoi. Alors, hop. Ouais, on a des patates, on pourrait se refaire des repas. Alors, les bocaux, non. Flèches, tout ça. Ouais. Il n'y a rien d'autre à poser. Il y a des batteries qu'on pourrait monter, mais on va juste les poser là. Alors, on peut améliorer nos batteries, ça c'est cool. Hein. Regarde tout, voilà. Hop. On va laisser juste ce qui se vend ici. Les mines en bas. Et on va déposer les munitions. Voilà. Alors, les munitions. On est déjà au deuxième stack de fusils à pompe, d'ailleurs. On va le prendre sur nous, hein, parce que l'arc la nuit c'est quand même moyen. Ok. Et point de vue des autres munes, on va déposer 241. Il n'y a pas de stock limite pour ça. On va en garder 75 sur nous.
Voilà. Et le colt, on va recharger. Oups. Voilà, deux barils pleins. On laisse bien sûr les munes de 44 indemnes. 38. On en a pas tant que ça. Hein. 124 pour les MR10. Les trappes, on va les prendre. Et on va les mettre là-bas. Carreau d'arbalète, tiens, 10 de plus. Et je crois que c'est good. Hop. On va se faire 3 bandages de plus pour en avoir 10. Même un de plus qu'on va utiliser. Voilà. Alors, hop. 148. Je sais pas combien on peut en mettre, mais le fait que ça puisse en engranger tant que ça, ça me fait un peu peur. En me disant que ça se trouve, ça les largue à une allure pas possible. Alors, ce qui est bien contre les gros zombies et tout, hein, mais en même temps, c'est pas du tout économique. Bon, le fait qu'on en ait 150, je me souviens plus de ce qu'on a utilisé pour les créer, mais c'est que ça doit pas être très cher à créer non plus, hein. Attention. Alors, hop, on la récupère. Il va falloir la réparer. Donc on va voir un petit peu ce qu'il nous faut pour la réparer. Je fais le tour pour les défenses, mais ça devrait aller. Alors. De toute façon, à un moment donné, je vais sursauter. Hein. Et probablement vous aussi. Vous me direz si vous sursautez souvent sur mes vidéos. Je me rends pas compte parce que moi je joue, vous voyez. Mais en regardant si vous êtes... si ça vous arrive de faire des bons... moi je fais des bons pas possible. Hein. Les gens ils me regardent bizarrement ici. Alors... là. Vous voyez, ça c'est typiquement une journée, une rôdeuse qui est arrivée. Mais c'est quand même déjà 3 barricades en moins. Hein, donc j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus résistants. Hein, j'ai un doute, mais... c'est l'impression que ça donne. On n'avait pas des bocaux sur nous. On peut peut-être les remplir ici. Oh, 20 bocaux, c'est le seau d'eau que j'ai. Vous savez ce que je fais la prochaine fois? Je le jette par terre, le seau d'eau. Ça va foutre de l'eau partout, mais au moins, on récoltera à gogo derrière. Non, fer forgé, ok. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça c'est la base. C'est réparer notre matos. Après, normalement, on devrait jamais s'arrêter d'en créer. Hein. Mais évidemment, nous, on n'est pas comme ça du tout. J'ai un œil quand même. Nous, on n'en recrée pas. On essaye d'améliorer le pathfinding des méchants. Par contre, évidemment, le jour où on n'est pas là, il faut un truc... ah, pas ici. Ici, il nous faut des défenses barbelées. Alors, je vais en faire une. On va regarder si je peux les poser derrière moi. Vous savez, dans le petit chemin que j'aime bien. Si on peut les poser dans le petit chemin... probablement pas. Si... si, si, on peut, bien sûr. Alors, regardez la fin de l'ours. Barbelé. Non, c'est pas les bons barbelés, ça. Ah, merde. Ah, la catastrophe. L'accident, le suraccident. Faire des barbelés comme ça tout du long, mais non, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Je voulais en mettre un là parce qu'il manque le machin, donc normalement on peut mettre quelque chose, mais ce que je voulais c'était pas enlever ce baril de feu. Ah mais en plus ça fait des dégâts. Ah, je peux plus le reposer. Ah si, ah, attendez, je l'ai trouvé. Allez.
Et rien que de se coller, ça fait des dégâts. Enfin, pas beaucoup, hein. Obligé de faire ça. Voilà. Donc je disais quoi? Je disais... Ah oui, ralentisseur. Alors le seul inconvénient des barbelés qu'il y a là, j'en mettrais bien tout autour, hein, en me disant c'est pas mal et tout. Mais le problème c'est que j'ai l'impression que ça... bloque les tirs. Donc si ça bloque les tirs, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas... Vous voyez, si on peut pas tirer à travers les barbelés, je trouve ça complètement idiot. Après, on peut tester. Vous voyez le béton qu'il y a au bout là-bas? On va l'allumer. Puis on verra. Déjà, on peut voir que là, c'est endommagé. C'est peut-être parce que je tripotais tout à l'heure. Mais si le béton a pas pris au moins un point de dégâts. En même temps, comment savoir? Non, je pense pas que ça soit notre balle. Je crois qu'il était déjà endommagé. Évidemment, faire des tests sur des trucs endommagés, on peut pas savoir du coup. Complètement con, c'est Rick. Ok. Passons. Test concluant. Voilà, c'est tout. Alors, 49 eaux en bouteille. On peut prendre les eaux pour faire de la colle. Oui, on va en profiter. On a plein d'eau. On va se faire une tonne de colle. Est-ce que ça continue à faire fondre des trucs? Non. Tiens. Voilà, donc là le clay qui a été fait, ça va nous permettre de d'être tranquille. On va faire 49 cols avec toute l'eau. Vu qu'il nous reste de l'eau là-bas, on n'en a pas besoin particulièrement. Et là, la colle, pareil, c'est les adhésifs. Donc voilà, on est vraiment, mais vraiment large, hein. Alors, posons la bécane, posons les trucs inutiles. Le pétrole. Voilà, tout est bien rangé. Ok. Des mines, alors, est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait se mettre des mines? Pas vraiment. En fait, les mines, il y aurait des endroits, c'est en intérieur qui pourraient être sympas. Bien que ça pourrait endommager nos installations. Je vois que des endroits en intérieur qui pourraient être cool. Pour vraiment canaliser un flot de zombies, par exemple. Ce qui n'est pas forcément le meilleur truc à faire, hein. Et puis, si ça explose vraiment de rue. Et que ça défonce vos murs, je suis pas sûr qu'on s'en remette bien. Alors, stéroïdes. D'ailleurs, les stéroïdes, on va pas les laisser là, c'est des consommables. On va les mettre dans le médicament. Donc, probablement ici. On va se faire la petite prise de sang. Puis on peut même recycler l'autre, hein. Ouais. On n'a pas besoin de deux de ce truc-là. Point de vue de l'eau, hop. On est anémié maintenant. Sans 3, ok, on va manger un bout. Hop, on va prendre 1 et 15. On va poser les bocaux. On va se manger une petite viande bouillie. On a combien? 89. Eh ben. Il se fait faim. Bon, bah, je crois qu'on va tourner à la viande bouillie maintenant. Un petit stock de 50 viandes bouillies qui donne à la fois de l'eau et de la nourriture. Comme ça, on n'aura plus à se soucier de se balader avec forcément les deux. Bon, après, on aura toujours un peu d'eau sur nous, hein, mais au cas où je m'enflamme au molotov ou un truc dans le genre. Mais disons que ça devrait aider. Voilà. Alors, hop, on range. On va déposer le tissu, on va prendre le fer forgé. Quoi d'autre? Les balles. Ok. L'acier forgé pourrait être utile. Le béton le sera. Les pierres. Alors, les outils mécaniques et électriques. On va essayer de réparer cette moto déjà, en premier lieu. Prendre. Recycler, modifier, modifier. Non, faut la déposer, je pense. Hein. Voilà, passer l'après-midi à bricoler sa bécane. Je pense que.
serais pas le premier à le faire, voilà. Hop. À la Mad Max. Alors, on va voir sous le capot. Le problème c'est que je ne sais pas ce qui me manque. Et réparer. Alors. Gauche, machin. Ils ne disent rien pour la réparation. Pourtant, regardez, j'ai partie mécanique, fer forgé, partie électrique, acier forgé. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Électrique, mécanique, forgé. On l'a construit avec quoi d'autre? Peut-être des ressorts? Non, ce serait étonnant quand même qu'ils nous demandent des ressorts dans la réparation. Fudge. Du caoutchouc peut-être, une batterie peut-être. Bon, une batterie ça serait gore, mais peut-être que pour réparer il y a les pneus, le caoutchouc, tout ça. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les deux. Alors bonjour caoutchouc, tu es où? Là. Prendre un pneu, hein, on va voir. Ça se trouve, ça se répare pas du tout, hein. Moteur, une batterie. Bon, je prends la batterie niveau 5, mais si jamais il me la fait dépenser, ça va m'énerver. Ça va m'énerver, mais on sera au courant. Ah! Ah! Ok, il a réparé, mais il a pris quoi? Non, sérieux? Il a pas pris ça, il a pas pris ça, il a pas pris ça. Elle est intacte ou elle n'est pas intacte? Non, elle n'est pas intacte du tout. Mais j'ai l'impression... Ah, j'ai l'impression que je l'ai endommagé maintenant. Du gaz, enter code, lock... Non, bah je sais pas. Ah, mais peut-être qu'il faut le déposer dedans. Oh, ce serait étonnant quand même. Ouais, j'ai l'impression que ça se répare pas du coup. Si ça se répare pas, c'est le mal. Alors, un kit de réparation. Mais je crois pas que ce soit dans la description. Kit de réparation. Hein. Les outils motorisés, les véhicules. Pardon. Je n'avais pas saisi. Les véhicules. Eh ben, dis donc. Il fallait, fallait le savoir. Hein. Je vais en prendre qu'un. Bon, quelque part, c'est mieux. Hein. Hop, moins un. Voilà. Eh ben, on est à combien? On va monter dessus. On va regarder le pourcentage. 94. Oh, ok, donc deux kits de réparation ennemis et on a le full... Ok, descendons, on va simplement mettre du gaz de ce qu'on a, voilà, 96, et ça sera good. Bon, bah c'est moins usant que prévu, vu que ça n'utilise pas de partie spéciale, ça utilise que des kits. On va reposer les ressorts, même reposer l'essence ici. Ok, alors avec tout ça, je garde aussi les parties mécaniques et électriques, parce que ça en demande pour les réparations, les balles on va les poser... les clés à molette, on va les déposer aussi. Voilà, parfait. Alors ici, comment ça se passe? Ça fond, acier forgé. Alors l'acier forgé, on s'en sert pour quoi exactement? Ah, bois. Alors, attention, pas tout faire fondre, hein, mais j'ai la flemme d'aller mettre d'autres trucs. Donc pour le moment, on va regarder ça. Alors, on peut faire un 44 magnum. Nous-mêmes. Waouh. Ah non, non. Non, non, c'est trop là. On va voir. Ah ouais, encore que ça serait pas trop dur. Hein. Histoire de le modder à fond. Mais le problème, c'est ça. C'est. Il nous faut les plans. Non, même pas. Oh mon dieu. C'est même pas si dur. Hein. Quoi d'autre? Ouais, là, pour le reste, par contre, il nous faut les plans. Hein. Une clé à molette. On peut les fabriquer, donc niveau 5, potentiellement. Les autres trucs, genre la machette.
Je me rends pas compte du niveau. Mais ça nous demande de l'acier forgé, la machette. Je pense que le couteau nous demandait que du fer, donc c'est bien ça le plus haut des deux, hein. On va s'en faire des machettes. J'ai la suspicion que ça doit être le truc pour se faire gaver de thunes, ça. Alors. Ben, on va le faire à l'atelier, hein. Hop, alors, outils. Machete. Machete dans la place. Blade Trap. Je crois qu'on va en faire deux. Alors combien ça coûte? Fer forgé, acier forgé 20. Ah ouais, quand même. Mais là, j'en fais deux, hein. Ah, les Blade Trap, ça reviendra au goût du jour. On va se faire. Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas 10 en Intel. Est-ce qu'il y a un niveau sur les Blade Trap? J'ai jamais fait gaffe. Electrical Fence Post. On peut en faire quelques-uns, mais c'est pas hyper important maintenant. Wire Tool, saut. Le seau d'eau, on devrait en prendre deux. Pioche en acier. Voilà ce qu'il nous faut. On a quoi, nous? Pioche en fer. Hache de pompier en fer. Hache de pompier en acier. C'est ça qu'il me faut. Ah oui, mais j'ai pas la connaissance, hein. Foreuse, pareil. Alors, la foreuse, c'est sûrement pour faire des trous dans le sol. Comme un gros salaud. Pelle en fer. Oui, ok. Non, non, non. On a tout mieux, hein. À part, bien sûr, les trucs électriques. La clé à molette, on peut en faire une quand même. Ça m'embête. J'aimerais bien d'abord monter. Il nous manque rien du tout pour avoir le dernier point. Niveau 67. Où c'est qu'on peut voir ce qui nous manque? Un XP. Mort. XP to next level, 15200. Ah ouais, quand même. Ce qui fait un paquet de zombies à tuer. Donc on les aura pas en craftant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre pour voir si ça nous rapporte. Enfin, on a 2 minutes. On peut peut-être quand même aller faire d'autres trucs. Il n'y a pas assez de bois. Voilà. Ça, ça doit pas faire d'XP, hein. Voilà. D'ailleurs, ça ne fait pas d'XP parce que ça fait directement ici. On va aussi pendant ce temps-là réparer un petit peu les structures et les améliorer. Donc là, on va passer en béton armé sur ce mur. Donc on va aller prendre la clouteuse vite fait. Oh, à la place de la pelle. Ah, il fait des réparations avant. Combien? Moins 113. C'est moi ou il fait sombre dans cet endroit? Pourtant, parce que c'est la nuit et tout. Faire gaffe, c'est allumé. Donc là, ça tourne, hein. D'ailleurs, c'est réparé déjà. Bon, on en a fait deux de plus, ça c'est cool. On va pouvoir vraiment s'amuser. Alors, je renforce pas ici, mais on pourrait, hein. Parce qu'en fait, notre bunker est protégé que par la porte si jamais on se fait avoir de ce côté-là et qu'il casse le mur. Mais bon, je pense que c'est largement suffisant pour le moment. Ici, on a mis du métal, je pense pas que ça soit vraiment une faille de sécurité. La seule faille de sécurité, c'est un peu s'il saute et il commence à casser partout. Mais de toute façon, je préfère réparer après qu'ils aient détruit, plutôt que de réparer et qu'ils détruisent ensuite et qu'on voit que c'était pas assez bien, quoi. Alors, pour le métal, on va laisser les balles. Je sais pas où c'est qu'on avait stocké les douilles. Probablement là. Balles vont ici à côté des douilles et là. Ah, trop tard. Ok, donc deux blade trap, on va le mettre avec l'électrique, avec le wire, je sais pas quoi. Hop. Et on montera ces deux trucs là en fait. Faudrait, merde. Ok.
Bon, au fusil à clous, au pistolet à clous, je lui ai clouté le genou, ça l'a fait tomber et ça m'a laissé le temps. Mais vous voyez, elle vient discrètement, hein, cette mesquine là. Alors je sais pas, elle avait peut-être pas tous ses points de vie parce que elle est tombée très vite quand je lui ai tiré dans le genou au fusil à clous. Heureusement qu'il y avait quelques clous. D'ailleurs, c'est une bonne leçon. Ah merde. Ouais, elle avait tiré du monde. Ok, on va aller voir ça. Puis on va nettoyer. C'est pour me casser mes défenses que j'ai mis du temps à construire. Foutez de moi. Ok. Ouais, il s'empale bien dessus quand même. Hein. Oh là là, il y a du monde qui s'est empalé. Mais aucun qui n'a lâché de loot. Bon, faut regarder parce que ils peuvent être venus de tous les côtés. Hein. Ok, retournons faire notre travail. Non, les défenses sont bonnes. Il n'y a que ce côté où ils peuvent rentrer simplement. Hein. Alors, 49 cols, on les récupère, on désactive, on prend ça. Hop. Voilà. Donc la colle, pas besoin de la traiter. Ici. Ouais, on se fera une défense électrique. Mais alors, j'ai aucune idée de comment l'installer. Peut-être qu'on fera un petit truc au début et si ça marche, on fera un gros truc. Hop. Point de vue répa, blindage, tout ça, je crois qu'on va pas plus loin. Là, j'aimerais bien la voir la gueule que ça, pour voir si on fait la même chose ici. Et évidemment, on va déposer cette moto. Maintenant qu'on sait comment la réparer, ça va être bien aussi. Les vélos et tout ça. Ok. Alors, point de vue des blocs. On peut se faire aussi des chemins hein, faits de murs. Comme ça, ils avanceront dans les murs au lieu de les casser. Après, ils casseront pas les murs s'ils ont pas une bonne raison, les zombies. Hein. Des mods, on va les retirer de là. Voilà, aujourd'hui, c'est soirée rangement. On range les trucs. Donc, des mods, on les laisse là avec les autres mods. Là, on a des tuyaux à faire fondre. Phare, ça vient pas là. On va garder le sable de concassage, ça on va le faire fondre. Non, ça on va les laisser. On a dit qu'on devait se faire des machettes. Parce que je suis quand même allé loin de mon objectif initial. Machette. Ah, je suis pas en QWERTY. Massue, masse en fer. Alors, masse en fer, on m'a dit que c'était assez simple. 30. Autant faire des boîtes aux lettres, hein. non, machette. Non, sérieux? Ah, mais on n'a pas la connaissance, pardon. Oui, donc autant faire des couteaux de chasse, hein, c'est moins en fer forgé qu'une masse en fer. Coûte combien la masse en fer? Montre-moi ma masse. Si c'est vraiment rentable, pourquoi pas? 460. Et mon couteau, il vaut combien? 53 la machette. Et le couteau, je l'ai déjà viré, c'est ça? Ouais, je pense que si on veut se gaver, il y a mieux que ça. Hein. En fait, il faut pas utiliser le fer forgé. Parce que le fer forgé, on l'utilise dans quasiment tout. Après, est-ce qu'on va jamais refaire des trucs de ce genre? Si, un générateur Banks. Ouais, on va se faire un générateur Banks. Machin électrique timer relais, je suis pas sûr que ça soit utile. Jambière en fer, masse en fer. Metal railing, ah, ouais, il y a ça. Ouais, on va pas en faire non plus. Motion sensor. Alors, utilisé pour trigger un événement électrique quand du mouvement est détecté. Donc ça pourrait être bien.
pour le lance dard, mais le souci du lance dard, c'est que si ça tire sur une ligne, et le motion sensor, à tous les coups, ça détecte sur un cône. Donc au final, à part allumer des lumières, ou à part allumer une tourelle, je vois pas trop l'intérêt, vous voyez. Sur la tête d'une tourelle, vous mettez une caméra, ça me va. Mais à part ça, je vois pas trop, hein. Rayonnage, rambarde. Bon, des lumières, des speakers, ça pourrait nous donner l'alarme avec un motion sensor pour nous dire, tiens, il y a des méchants qui arrivent. Mais je pense qu'on les verra arriver, hein. Vous voyez, c'est des défenses qui seraient bien dans la vie réelle, mais pas forcément utiles dans un jeu. On va se faire ça. On va se faire deux générateurs. Est-ce qu'on se refait un tromblon? Non, je crois pas, hein. Par contre, deux générateurs banks. Alors, ce qui est bien, c'est que ça, on va pouvoir l'emmener directement. Est-ce qu'on peut faire des battery banks? Normalement, on peut, hein. Bank, battery bank. Ah non, on n'a pas la connaissance pour la batterie. Ok. Donc, deux générateurs banks. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Il suffit d'un petit moteur, hein. Pas besoin d'en avoir 6, mais 6, c'est le maximum de jus qui va avec. Voilà, donc le gyrocoptère et le phare. Oh, je vais les laisser là parce que c'est ici qu'on fait les véhicules. D'ailleurs, il va falloir qu'on regarde ce qu'il faut pour le suivant. Le suivant, c'est la Jeep, hein. On aurait peut-être même pu la faire ce soir au lieu de glander, mais de toute façon, la nuit, elle était clairement trop courte ce soir pour qu'on fasse quoi que ce soit, hein. Feu de camp, non, c'est pas ça que je cherche. Je regarde si jamais on a des choses pour. On pourrait se faire un deuxième seau d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, les pelles et les pioches, regardons un peu. 735, ouais, mais ils sont full modés les machins. Je pense que ça doit être beaucoup moins rentable. Vous voyez, ça coûte cher quand même à faire. Et bon, on va se faire du fer forgé à gogo vu qu'on a fait plein de clés. Fer forgé, il nous faut du bois, tiens. Amuse-toi avec ça. Et on en veut 312. On en veut 312? Non, 200, ça devrait suffire. Ce qui devrait faire beaucoup d'or, enfin beaucoup de trucs, mais ça peut faire aussi beaucoup de défense. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire des bocaux, on va faire aussi de l'acier forgé. Structure en fer à béton. Je suis pas sûr. Par contre, on va échanger là le fer et là les tuyaux. Il y avait quoi d'autre qu'on voulait faire fondre? Le verre. Ouais, on avait du verre ailleurs et du plomb. Du verre et 400 plombs. Oh, les 400 plombs, je vais les garder parce que vous remarquerez qu'on n'en a pas tant que ça du plomb. Et le verre, on va remplacer ça. Voilà. Très bien. Alors, peut-être un petit peu trop de bois là-dedans. En fait, je suis en train de réfléchir en parallèle à ce qu'on devrait farmer ce soir, mais en fait, avec ce qu'on a mis en clay, vous voyez, on a pu faire. 180 toits 51, on est large, hein. Donc, j'ai pas envie d'en mettre plus. Ici, bah on pourrait faire la bouffe, mais je crois qu'il n'y a pas d'utilité. On va juste prendre un stack de nourriture. Voilà, on va prendre un truc comme ça. Il est quelle heure? Hop. On va se mettre notre lit. Parce que notre lit, c'est des. Déconnecté, on voit qu'il n'y a plus rien qui est connecté. Hein. Et puis on va vérifier qu'il n'y ait pas eu repop de zombies, s'il y a l'étage. Déjà, on aurait pu combattre hein, en arrivant dans la ferme là. Alors, inactif. Alors, je sais toujours pas comment les réactiver. Je suis quasiment sûr qu'il doit y avoir un moyen. Mais j'ai aucune idée de pourquoi ça se. Je pense que c'est une histoire de timer réel. Comparé à un timer de jeu, ce qui est un peu bizarre. C'est peut-être fait pour le PVP simplement. Et du coup, ça fout le boxon. Si on refait une aventure, on essaiera de pas en mettre et voir si ça repop systématiquement sur ce qu'on construit. À ce moment-là, évidemment, ça vaudrait pas le coup.
revendique. Et on réinstalle. Ou alors c'est mon sac de couchage qui est défectueux peut-être. Il faudrait que je fasse un lit. Alors les batteries. Ah, voilà ce qu'on va faire. Il nous faut pas 20 batteries hein, pour... Ah, ça a dû s'arrêter en bas. Alors on va déposer les 6, les 5 et le 3. En fait on peut avec deux batteries ou une seule batterie mettre une batterie Banks. C'est juste qu'elle aura moins de jus. Mais on a aussi l'opportunité de faire... Ah merde, je les ai pas ramassés. Ok. Les bastos, on les récupère ou pas? Non, j'aime bien avoir un stock de bastos ailleurs qu'en bas. Parce que si le bâtiment, si le machin se fait détruire, on va être dégoûté. Déjà, ce serait horrible que ça arrive. Je crois qu'on est good. Et là, il y a bien mon lit. Ouais. Alors, on pourrait aussi mettre les objets très utiles comme le fer forgé. En fait, tout ce qui est vraiment important ici. Et comme le fer, et ces genres de trucs. Ou alors, simplement mettre les mines, les explosifs. Enfin, voilà. Il y a vraiment de quoi faire. Hop, on va manger un bout. 120, 140, on est good. Là... forgé qui est en route, ça c'est en train de fondre. Ok, on a bientôt fini la fonte des trucs inutiles, on va redéposer. Bah du coup rien à créer hein. Franchement, si vous avez des idées, on peut peut-être faire des vêtements qui sont pas très forts. On va essayer avec du fer simplement. Donc, on en a du fer à gogo. Essayons de faire des armures recyclées, voilà. Ah, il faut du ruban adhésif. Pas forcément la ressource qu'on a envie de dépenser. On va dépenser les 16 parce qu'on a fait pas mal de colle, mais vaudrait mieux éviter. Alors, on va faire une de chaque. Ici c'est un petit peu bouffe matos. Alors mon seau, il est où? J'avais pas un seau d'eau quelque part. Je vais le mettre là parce que c'est un outil. C'est comme ces trucs là. Matériel de construction, défense. Je crois qu'on va les mettre à l'étage aussi. Comme ça on se plantera pas. Même les trucs électriques. Matériel de construction, défense. Matériel de construction, défense. Ok. Il n'y a rien d'autre là. Défense, ça pourrait être considéré comme défense. Hein. Ok, il nous manquait quoi? Les bottes, les gants. Plastron, jambière. Gants. Casque. Bottes recyclées. Qui va là? Montrez patte blanche. Ah, elle est là-bas, ok, vu. Je l'ai eu. Elle s'est pris... On entend bien le bruit du slash de la machine. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on mettrait pas un autre interrupteur quelque part? Parce qu'à chaque fois, s'il faut retourner là pour couper... Cela dit, je suis content qu'il ait intercepté quelque chose... cette défense passive. Alors, on va couper le bois. Je crois que c'est bon pour faire fondre des trucs. Ah, quoique. Ah, mais il y a toujours tout ça à faire. Alors, 5 minutes, 10 minutes, 67 minutes. Ok. On va juste mettre ce qu'il faut. Hein. Voilà, on va mettre 11 minutes 50. Et puis on reviendra quand ce sera fait. Ici, de Generator Banks. Alors, ça se cumule pas. On va les mettre avec. Ici, avec les moteurs. Voilà, donc ça, on part avec ça. Hein. Hop, on peut faire deux trucs électriques. Même relier tout ce qui est. Ah, ça pourrait être considéré comme défense, machin. Ouais, allez. Hop, hop. Ah, je sais plus.
place. Ben posons ça pour le moment. Parce que c'est pour la revente. Alors on va regarder les prix. 324, 324, 324, 324, 324. Bon. Ça demande du Chatterton, des os quoi. Les os, on n'en ramasse pas tant que ça parce que je voyais pas l'intérêt de faire un farm exclusif. Hein. Voilà, donc ici on met tous les trucs électriques, les défenses, les trucs de construction. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre de plus? Rien, on est good. Ici, c'est la construction, l'essentiel, on va dire. L'essentiel, c'est le fer. C'est la pierre. Ah, la pierre, il faut en garder quelques-uns sur nous, hein. Juste pour réparer la hachette. Et faire des flèches éventuellement. Le bois, pareil. On n'a pas besoin d'en garder parce qu'on en récolte tout le temps. Et puis les polymères, je crois pas que ce soit une ressource importante. Voilà, laisser en bas. Même le cuir, tout ça. Le cuir, on peut le revendre direct, hein. Faut que j'y pense à les emmener tel quel. Et je crois qu'on est vraiment good là. Vous voyez, j'utilise mes rangements, les mauvaises langues. Mais oui, on peut toujours trouver un usage. Ah, ma souris. Ma souris qui me dit merde. Alors, c'est pas le moment où il faudrait qu'il y ait des zombies. Voilà. Hop, désolé pour ça. Structure en fer à béton. Est-ce qu'on se fait une extension en béton quelque part? Si jamais je fais la foreuse, on pourra se faire un tunnel quelque part ou creuser. Mais je ferai pas de mine ou de, vous voyez, de trucs en profondeur si jamais j'ai pas si j'ai pas un truc qui va bien. Voilà, faut pas augmenter parce que sinon le temps va augmenter. Voilà, on laisse ça ici. Bon, on n'emmène pas ça, on garde que l'eau et la bouffe ici. Hop, j'ai presque envie de garder le pompe sur moi pour la journée. Mais vu que les zombies avaient l'air vraiment faibles aujourd'hui, je me dis qu'on n'en aura peut-être pas besoin. Alors, j'ai bien envie de quand même tester à fond cette idée d'armure là. Jambière en cuir. Cuir, ruban adhésif. Je vais en fabriquer un juste pour regarder le prix. Et vous voyez, le fait qu'on puisse pas combattre les zombies qui arrivent par derrière, il n'y a que nos piques qui nous défendent de l'arrière. Alors, 6h13, à 7h on s'en va. Hein. Touche pas à mes piques, toi. Ok, t'es tout seul. Belle attaque furtive. Vous sentez le loot qu'elle va lâcher là-bas? Comment ça je gâche des balles? Absolument pas. Alors la distance, hein, y a un souci, hein. Voyez les dégâts comme ils sont. Elle aurait dû mourir 100 fois là. Ouais, donc sur la distance, le pistolet doit plus faire grand-chose. Alors, vous avez remarqué que j'ai des moteurs aussi dans mes raccourcis rapides. Ça doit être arrangé. Ok, alors, j'ai pas envie de faire un deuxième étage blindé, mais si on en vient à ça, on pourrait, hein, se faire une petite, un petit truc en haut. Alors, ici, non. Ah, quoique. Hop, hop, ça c'est fait. Ici, 388. Donc en fait, que ce soit des jambières en fer ou en cuir, c'est exactement pareil. Point de vue du prix. C'est même plus. 324, c'est même plus. Alors ce qui est étonnant, c'est que les jambières sont moins bien que le truc. Ah, quoique non, c'est peut-être le niveau au-dessus. Mais ça demande moins de composantes. Vous voyez? Alors, les moteurs, hop. Hop. On va remettre une machette là. On va mettre. On va remettre l'arc. Et les molotovs. Voilà. Ouais, c'est le niveau au-dessus, mais ça demande moins de composants. Bon, c'est pas les composants qui nous posent souci, hein.
Alors, hop, les outils. Les clés à molette, on va les reprendre. On laisse toujours la niveau 4. Mais par contre, on va récupérer la masse, parce que s'il y a des coffres cette fois-ci, j'aimerais bien être équipé. Et on va redéposer le matos. On n'a pas besoin. Ok, donc l'acier forgé, on s'en servira à quoi? Est-ce que quelqu'un se souvient? Ah, la question piège. Genre, en plus, faut suivre ce que dit Ike. Steel ladder. Ah. Oh putain, mais se faire une échelle en acier, quoi. Faites face à un mur, placez l'échelle à l'aide du... Non, mais faut vraiment le vouloir quand même, non? L'échelle en acier. Alors, vous voyez, tout ça, c'est des trucs où il faut des mods, hein. Attendez, pas de revendication. Je vois que des armes qui pourraient être utiles et on n'en a pas besoin. En outils, ben, on n'a pas la recette. En nourriture et cuisine, ça n'a rien à voir, mais des myrtilles pour du jus de yucca, de la genêge. Ouais, c'est un peu bizarre. Et il n'y a que là en fait, en armure. Non, non, il faut bien. Vous voyez, quand on fait là-dessus, ça nous ouvre des recettes qu'il n'y a pas. Hein. Justement, toutes les recettes des mods. Ah. On peut faire des mechanical parts. C'est marrant. Je vois pas l'intérêt du tout de faire ça, mais. Mais vous voyez, pour les armes, on peut les faire, hein. On peut faire un MR10. Alors, est-ce qu'il y a d'autres armes qui seraient intéressantes? Elles sont là, les armes, ou pas? Non, on n'a pas accès aux armes. Il faut vraiment aller là-dedans. Vous voyez, c'est étrange quand même. Est-ce que dans l'atelier, j'en aurais accès? Ouais, dans l'atelier, il nous met l'accès aux armes. Là, c'est plus intéressant parce que du coup, on peut voir tout de suite le lance-roquettes qu'on peut pas faire. Mais par contre, on peut faire un pompe niveau 5, un fusil de chasse et j'en passe, hein. AK-47, fusil d'assaut AK 51, mechanical, adhésif, enfin, les adhésifs, ok, polymère ressort. Adhésif, polymère ressort. Ok. Alors, adhésif A. Ah. Q-adhésif, non, A. Ah. Rusant adhésif en toile. 66, non, on va en faire 16. Ça sera largement suffisant. Et on va se faire un foutu AK-47. Fait main. Bon, c'est pareil là. Vu le prix de l'AK-47 à la création. Ah, mais il nous faut peut-être un truc pour le faire? Non? Qu'est-ce qui nous manque? Porte de chambre forte. Trappe de chambre forte. Les mechanicals. Ah, je les ai pas pris. Et je ne sais pas où elles sont. Elles sont à l'étage. Eh oui, maintenant qu'on range tout. Quelle horreur. Ok, mechanical, electrical. Ouais, c'est bien de les laisser à l'écart. Mais on en laissera peut-être une partie en bas quand même. Histoire de pas avoir à courir sans arrêt. Fusil d'assaut type AK-47. Doté d'un tac-à-tac typique. Alors, pourquoi je peux pas en faire d'autres? Est-ce que vous croyez qu'il nous manque quoi? Ah, le fer forgé probablement. On va voir, ça nous a coûté combien en fer forgé? Et ben voilà, je me souvenais pas pourquoi je fabriquais du fer forgé, mais pas enfin, de l'acier forgé, maintenant je me rappelle. Donc il nous faut du clay. Ah, bonjour, les bocaux. On perd du temps là, hein. Il faut qu'on arrête de faire des trucs. On a juste 4 minutes. 7h23, on est déjà à la bourre sur la journée. Bon, la journée, c'est pas trop grave, hein. On prend toujours un peu de temps. Enfin, on a toujours plus de jours que de nuits en général. Morceau de tissu. Faire 3 bandages.
Le cache, c'est là-bas. Les moteurs, c'est en haut. Ouais, mettons. J'avais pas vu un seau ici. Ouais, ça, on va dire que c'est des ressources de base aussi. Non, pas ça. Ni ça. C'est ça en fait. Oh, le laiton, non. L'essence. On va refaire des molotovs. À l'allure où je les bouffe, les molotovs. Faut toujours qu'on en ait un stock d'une vingtaine à la maison. Hein. Une vingtaine, c'est bien. Franchement, si on est à court avec 20. Merde, la colle. Bon, c'est pas grave, j'ai la flemme. Je vais la poser là. Je m'en souviendrai pas qu'elle est là, donc je vais gueuler à une prochaine vidéo. Je gueulerai sur où est ma colle. Attendez-y vous. Voilà. Hop. Mon AK. Et puis il me stresse ce feu là. Bon, bah du coup si on a l'AK, on va le tester. On va reposer le pompe. Bon, on va le tester. On va pas s'amuser à rafaler comme un salaud, hein. Ce qu'on veut, c'est juste voir si ça fait de bons dégâts, si on peut le modder efficacement. De toute façon, faut qu'on en refasse un autre niveau 6, hein. Ou alors, je m'occupe pas de ça et on s'en va. Et quand on rentrera de la prochaine nuit, il sera là avec ses bastos. Ouais, on va faire ça plutôt. On va prendre tout ça. Ah oui, je voulais un peu en faire d'autres. Bah non, ça bouffe vraiment trop de scotch. D'ailleurs, la colle, ouais, bon. On a que 2 minutes à attendre, hein, on va attendre. J'ai bien envie quand même de prendre mon AK. Le gars qui a aucune patience. On va récupérer ça. Tout ça, on vend. Le reste, on garde. Je crois qu'on est bon là. On est vraiment bon sur tout ce qu'on voulait. La mine terrestre, on va pouvoir stocker un peu plus large maintenant. Voilà, pour les défenses, on va les mettre en haut. Les défenses, on va les mettre en haut la prochaine fois avec la blade, le wire tool. Voilà, les mods peut-être aussi. Les mods, c'est pas hyper utile tout le temps. On va aussi, c'est con à dire, mais vérifier qu'on n'est pas mieux hein, sur nous. Tant que c'est vert, c'est bien. Si c'est rouge, c'est moins bien. Là, c'est exactement pareil. Donc, on a forcément. Non, c'est moins bien. Ok. Là, c'est moins bien. Là, c'est mieux partout, sauf. Sauf l'armor rating. Tu te moques? Ah non, c'était le cuir qui faisait ça? Ah non, c'est si je compare au cuir. Oh là là, mais c'est très bizarre comment c'est fait. Non, ça compare à ce que je porte, on est d'accord. Donc, les bottes. Non, ça, c'est mieux que ce que. Voilà, ok. Ok, non, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est tout pourri ce que je portais. Mon AK. Ah, 13 minutes. Hop. La bécane. Pas besoin d'essence, mais on prend au moins la moto. Et après la pétoire, elle est prête. Ok, 47. Très très bien. Alors là, elle est pas modée, hein. Ah, le tac-à-tac typique. Est-ce qu'il y a des mines spéciales? Ouais, il y a des mines spéciales. 30 bastos. Faut que je tue un truc. Mais on fera ça à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt.